Excusez-moi. J'ai paniqué. En fait, chez les débutants, on s'entraîne d'abord sur une poutre qui est au sol. Mais pour cette compétition, il faut faire des figures sur une poutre en hauteur et... j'ai le vertige. Et si je tombais? Du coup, j'ai commandé des chaussettes adhésives garanties anti-chute pour être sûre de ne pas tomber de la poutre. Mais elles n'arriveront pas avant demain. Et tu pensais que si tu faisais en sorte que la compétition soit décalée d'un jour, tu aurais tes chaussettes, d'où les hamsters dans la salle de gym. Pourquoi tu nous as pas parlé de ça avant? Vous êtes les personnes les plus tendances que je connaisse. Je voulais vous impressionner. Et puis, vous vouliez que je reste positive. Oh, je pensais que ça t'aiderait d'être positive. Mais ce qui aurait été mieux, c'est de nous dire les choses honnêtement. Désolée, Violette. Il faut croire que les choses ne sont pas aussi simples que les livres, les films ou les dessins animés nous laissent parfois penser. Cette fenêtre est ouverte. C'est sûrement par là que sont rentrées les bestioles. La dame de la capture de rongeurs. Il faut qu'on se cache. Super petite. Venez les hamsters, on va jouer à suivre la gymnaste. Et si une de nous grandissait et faisait diversion? Mais on n'est pas censé être à l'intérieur. Vous ne pourrez pas m'échapper, affreux rongeur. Je suis 3 fois championne de la compétition de capture de rongeurs des jeux de Little Town. Hein? C'est une épreuve des jeux, la capture de rongeurs? Polly, tu ne peux pas la laisser capturer mes hamsters. Non, Violette, nous n'allons pas la laisser capturer tes hamsters. Super petit! Tu es leur meneuse. Personne ne s'attendra à ce que les hamsters s'échappent par cette fenêtre tout là-haut. Bella et moi allons distraire la chasseuse de rongeurs. Oui, je suis vraiment très douée pour faire diversion. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher, rongeur à poils gris. Ah, vous voilà. Waouh, t'as tous les accessoires du monde dans ton sac à dos. Le pouvoir du rétrécissement est sans limite. Cours! Et où allez-vous comme ça? Il y a un problème. Attrapé. On est fichu. Pas encore. Super petite. Nom d'un rongeur. Où sont-ils passés? Accroche-toi. Vous ne pouvez pas m'échapper, espèce de parasite. Super grande. On ne peut pas passer de l'autre côté. Il y a trop d'espace. T'aurais pas un pont dans ton sac à dos par hasard? Une glace pistache? Polly, je ne pense pas que ce soit le moment de prendre un goûter. Mange ta glace. C'est toute gelée. Froid. Super grand. Violette, montre la voie au hamster. Oh là là, c'est vraiment très très haut. Mais depuis que je vous ai parlé de mon vertige, j'ai l'impression d'avoir moins peur qu'avant. Oui, l'honnêteté gagne toujours. Continue à nous parler de ce que tu ressens. Je suis un peu nerveuse. Mais je peux le faire. Pour eux. Venez les hamsters. Wouh! Je vais les intercepter à l'extérieur. Trampoline super grand. Allez, tout le monde, sautez. D'accord. Comment je me sens? Je me sens... courageuse. C'est parti. Wouh. Attrapé. Mes petits. Vous pensiez échapper à la championne? Attendez un peu que Marvin voit ça. 4e médaille, me voilà. Oh non, les hamsters de Violette. Super petit. Tu peux me préparer ma médaille au ruban bleu, Marvin, parce que la salle de gym a été dératisée. Oh, où sont-ils passés? Eh bien, tant que ces rongeurs ne sont plus dans ma salle de gym, on peut dire que le travail est fait. Votre attention, jeune gymnaste. Tout le monde est là? Présente et prête à concourir. Excellent. Alors que les jeux commencent. Ah.
tout dans ce sac à dos. Même des hamsters groupies fans de gymnastique.